des élèves en licence professionnelle ingénierie de l'Internet et du multimédia. Ils viennent de remettre le chèque à l'association Auboise qui vient en aide à des enfants handicapés. C'est 336 euros. Ce sont en fait les bénéfices d'une micro-entreprise créée dans le cadre de leurs études. Les élèves ont mis sur pied une agence spécialisée dans la communication baptisée Comin3. Écoutez Clément Moret, l'un des étudiants, ainsi que Sylvie-Marie Fillon, la présidente d'Handicouette Solidarité. Nous, les bénéfices réalisés l'année dernière, donc il faut savoir qu'on n'avait pas le droit de les conserver. Donc, vu qu'on est un statut de mini-entreprise étudiante, on se doit de le reverser à une association. Donc nous, pourquoi on a choisi Handicouette? Parce qu'on a trouvé que c'était une association qui avait le mérite d'aider les enfants handicapés à faire des sorties, toutes sortes de choses. Et on avait un étudiant dans la promotion qui connaissait bien la directrice, donc on s'est penché sur l'association, on a trouvé ça sympathique et donc on a décidé de reverser l'intégralité des bénéfices à cette association. Je suis particulièrement fière que des étudiants de l'IUT aient pensé à notre association. C'est vrai que dans ces temps de crise, nous avons besoin de fonds. Ces 336 euros vont servir à aménager un matériel, puisque chez nous, tout ce que l'on utilise est aménagé pour pouvoir surseoir au polyhandicap de tous les adultes ou les enfants.